Bienvenue à la résolution de ces trois petites énigmes. Alors, la première, ce que je disais, c'est que bon, vous avez un trou de 10 mètres de profondeur et il y a une limace au fond du trou. Et puis, la limace, son objectif, c'est de sortir du trou. Alors, la pauvre limace, elle, durant le jour, ce qu'elle fait, elle grimpe le long de la paroi. Et elle grimpe de 3 mètres. Elle arrive à la fin du jour. Le soleil se couche. Durant la nuit, la limace dort et en dormant, elle glisse de 2 mètres. Ce qui fait qu'après une journée complète, au lever du deuxième jour, elle va avoir grimpé d'un mètre seulement. Le deuxième jour, même chose, elle passe de 1 plus 3, 4, descend de 2, 2 mètres. Et ainsi de suite. La question, c'est au bout de combien de jours la limace pourra-t-elle sortir du trou? Alors, j'ai indiqué ici les démarches. Alors, l'erreur, c'est que beaucoup de monde se disent, ben, la réponse, c'est 10 jours, parce qu'à chaque jour, elle monte de 3, descend de 2, c'est comme si elle montait de 1 mètre par jour, et puisque c'est 10 mètres, donc 10 jours. Ça semble logique. La seule affaire, c'est qu'ici, oui, elle fait 1 mètre, mais c'est comme si c'était la différence entre les payes brutes et nettes. Voyez-vous, hein, elle fait du brut, puis un net. Hein, les déductions, il reste un net. Brut, déduction, il reste un net. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, à un moment donné, elle va arriver au bout. Puis, elle ne descendra plus, là. Une fois qu'elle atteint l'objectif, pourquoi est-ce qu'elle va rester et descendre? C'est ça la subtilité. C'est que oui, même si ça revient à 1 mètre par jour, c'est pas fait 1 mètre par jour, c'est monte de 3, observe et descend de 2. Monte de, tu sais, c'est pas la même chose parce qu'il faut faire le plus 3 avant le moins 2. Ça revient pas à faire du plus 1 tout le temps. Regardez. Alors, au premier jour, elle monte de 3 mètres, descend de 2. Donc, au début du deuxième jour, elle est au 1 mètre de fait. Elle en fait 3, ce qui fait 4, descend de 2 durant la nuit. Au début du troisième jour, elle a 2 mètres de fait. Plus 3, ça fait 5 mètres, descend de 2, ainsi de suite. Et on s'aperçoit qu'au début du huitième jour, si on voit la tendance, voyez-vous ici 2, 1, 3, le 2, le 4 avec le 3. Huitième jour, elle va se réveiller avec 7 mètres de fait. Elle va grimper 3 mètres. Et 7 plus 3, 10, et c'est fini. On ne continue pas en disant, ben là, elle va dormir 10 moins 2, 8, puis elle va se réveiller au 9e jour avec 8 mètres de fait. Ça n'a pas de sens. Elle a fini son objectif. Alors, ceux qui font 10 divisé par 10, par 1, qui est 1 mètre par jour, puis disent que c'est 10 jours, c'est comme si on avait continué ici, puis au 9e jour, il serait à 8 mètres. Puis là, il monte de 3 mètres. 8 plus 3, 11. Là, fait que tu as là une limace qui est à 8 mètres. Monte de 3 mètres. Fait qu'il y a 2 mètres ici. Puis là, dépasse dans les airs de 1 mètre. Une limace qui fait de la lévitation pour être à 11. Puis là, redescend de 2. Descend dans le vide. Descend ici jusqu'à 9. Se réveille au début du 10e jour. À 9 mètres, monte de 3 mètres, fait que monte de 1 plus 2 mètres de lévitation, ça doit être une limace moine bouddhiste, puis après redescend de 2 pour arriver à 10. Bref, on ne peut pas arriver à 10 avec la partie de la descente. Il faut que ce soit avec la partie de la montée. Et donc, il faut finir arriver à 10 avec le plus 3 et non pas avec le moins 1. C'est ça la petite subtilité, donc ça donne 8 jours. Je vais y aller tout de suite avec la troisième énigme qui est celle du bateau. Alors, en gros, je disais qu'il y a un bateau qui flotte sur le bord de l'eau. Bon, voici mon bateau, voici le niveau de l'eau, voici mon échelle. Le niveau de l'eau est au deuxième échelon, ici. Voyez-vous, le deuxième échelon, c'est là qu'est l'eau. Et là, qu'est-ce qu'on dit? L'échelle mesure 10 mètres. La marée monte à une vitesse de 30 cm à l'heure. Et il y a 10 cm entre les échelons. Donc, la question, c'est au bout de 3 heures, à quel échelon sera rendu l'eau? Ben, d'un point de vue purement mathématique, on peut dire, ben, 3 heures fois 30 cm par heure, ce qui est écrit ici,
Ça fait 90 cm. 90 cm divisé par 10 cm ici par échelon, ça fait donc 9 échelons. Et puisqu'il commençait au deuxième échelon, le deuxième échelon plus 9 échelons, ça fait qu'il serait au 11e échelon. Non, il n'y a aucune erreur mathématique, mais la réponse, c'est pas ça. Il est toujours au deuxième échelon. Ben oui, un bateau, il flotte. Ça flotte, donc le niveau de l'eau va rester le même que le niveau de l'échelle. Parce que sinon, imaginez qu'on continuerait, la marée monte, monte, monte. Le niveau de l'eau monterait, l'échelle monterait, 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 puis là, il dépasserait la hauteur de l'échelle. Supposons que la marée monte plus haut que 10 mètres, puis là, il commencerait à faire rentrer dans le bateau. Donc, c'est comme si, en fonction que la marée monte, le bateau serait en train de couler. Le bateau, il ne coule pas, il flotte. Fait que question piège. Hein? Et bon, troisième que j'ai gardé pour la fin parce que j'ai de la théorie mathématique qui va avec ça. Là, vous allez dire quoi? Le problème de mégot de cigarette qui a des maths avec ça. Là, vous allez voir le lien farfelu que je fais. Alors, au départ, j'ai dit qu'il y a 10 mégots de cigarette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à chaque fois qu'il a 3 mégots de cigarette, il peut prendre le tabac, se rouler une cigarette, la fumer. Et cela fait qu'il reste à nouveau un autre mégot de cigarette. La question, c'est avec 10 mégots de cigarette, combien peut-il fumer au maximum de cigarettes? Bon, ici, quand j'en sac, ça veut dire qu'il y a un paquet de 3, donc une cigarette de fumée, 2, 3 cigarettes de fumée. Ça, ça donne un mégot, ça, ça donne un mégot, ça, ça donne un mégot, plus le dixième mégot qui est ici. Ces 3-là, bon, je peux les réassembler pour faire une cigarette, ce qui va donner le mégot ici. Et le mégot qui est ici va aller là, ce qui fait 2 mégots après 4 cigarettes. C'est pour ça qu'il y en a qui m'ont dit, ben, ils fument 4 cigarettes et 2 tiers. Là, la subtilité, c'est que j'ai 2 mégots ici. Et là, vous voyez, il y a un troisième. Il dit, David, où est-ce que ça vient? Alors ici, la subtilité, vous allez dire, ah, c'est comme tricher, ça peut paraître tricher. Mais mathématiquement parlant, c'est pas tricher. Regardez ce que je veux dire. J'ai 2 mégots de cigarette. J'en emprunte un onzième. Vous allez dire, hey, tu changes les données. Un instant, pas trop vite. J'en emprunte un onzième, ce qui fait 3 mégots de cigarette. Je peux donc fumer une cinquième cigarette, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui me redonne un mégot que je redonne à la personne qui m'a prêté celui-là. Dans le fond, mathématiquement parlant, le monsieur a comme fumé l'équivalent vraiment de 10 mégots. Parce que ce mégot-là, il a comme celui qui a prêté, ça lui a permis de former une cigarette, n'a comme jamais été vraiment fumé ou consommé, si vous voulez. Donc, ça balance. Oui, il a eu besoin d'un 11e, il l'a remis. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, tu sais, c'est un peu jouer avec les mots, c'est un peu tricher. Écoutez, c'est pas une énigme qui se prend trop sérieux. C'est correct que vous vous obstinez. Là, c'est pas le point. Le point, c'est que cette subtilité-là, ici, c'est dans une énigme, puis on peut être plus ou moins en accord avec la validité de la solution ou la sincérité ou la validité, c'est ça. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que cette subtilité-là en mathématiques, qui est de rajouter quelque chose pour faire de quoi qu'on peut faire, nous aider dans nos calculs, arriver à un résultat et de soustraire ce qu'on a additionné pour y arriver, c'est valide. Si je rajoute 10$ à un problème mathématique, que je peux faire de quoi avec le 10$ et qu'à la fin, à ma réponse, j'enlève 10$, ben, j'ai une bonne solution parce que ça balance. Je vais vous donner un exemple où on fait ça. Alors, dans la fameuse complétion de carré, entre autres. La complétion de carré, pour ceux qui l'ignorent, c'est une façon, une technique pour factoriser. Alors, supposons que vous avez le polynôme suivant à factoriser. 6x2 moins 11x plus 3. Factoriser, c'est quoi que ça veut dire? C'est d'avoir des nombres qui se multiplient entre eux, qui sont des facteurs. D'où factoriser. Je veux un polynôme qui, multiplié par un autre polynôme, va me donner ceci.
Bon, comment on fait ça? Alors ici, je vais diviser tous les termes par 6 pour avoir un 1 comme coefficient pour les x2. Fait que je mets un 6 devant. Ici, ça fait x2 moins 11 sixième, hein, parce que moins 11 divisé par 6, ça fait moins 11 sixième de x. 3 divisé par 6, ça fait une demi. Voyez-vous, donc, si je fais 6 fois ça, 6 fois ça, 6 fois ça, je retrouve le polynôme de départ. OK, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? La technique ici, c'est la complétion de carré. Alors, ce que je vais vous faire remarquer, c'est lorsqu'on va avoir la forme de x plus b au carré. Quand nous allons avoir la forme de x plus b au carré, ça va donner quoi? Ça va donner x fois x, x2, x fois b, bx, mais b fois x, bx également. Nous allons avoir 2bx et finalement b fois b, b au carré. Voyez-vous? Donc, le x2, j'ai le x2. Maintenant, le terme qui multiplie le x ici, c'est lui ici, moins 11 sur 6. Moins 11 sur 6, selon ce que j'ai compris ici, ça doit donner le 2b ici, voyez-vous? 2b doit me donner le terme du milieu qui est le x, qui est moins 11 sixième. Je mets moins 11 douzième, pardon, ici. Donc le b, moins 11 douzième, ce qui fait ici. Parce que le 2b vaut moins 11 sixième. Donc si je veux un seul b, je divise par 2. Ça fait moins 11 douzième. Donc, moins 11 douzième, c'est le b. Et en faisant ça, le b2 qui apparaît, c'est 121 sur 144. Effectivement, moins 11 sur 12, ça donne 121 sur 144. Ça veut dire que si j'avais x2 et que j'avais moins 11, ici, moins 11 sixième x, et j'avais plus 121 sur 144, j'aurais pu factoriser ceci en cela. C'est ça ce que je veux arriver. Donc, ça, c'est la technique de factorisation. Donc, je reviens. Ici, j'ai le x2 qui est ici, moins 11 sixième de x qui est ici. Mais pour que ça marche, je dois avoir un b2 qui est de 121 sur 144. J'avais pas ça, là. Moi, j'avais plus une demi. On était très loin du compte. Fait qu'on va comme tricher, entre guillemets, en rajoutant plus 121 sur 144. C'est ça que j'ai besoin pour compléter le carré. Comme j'ai fait avec le mégot de cigarette plus haut, j'ai rajouté un onzième mégot. Mais il ne faut pas changer la valeur du résultat, donc je le rajoute et je l'enlève aussitôt. Voyez-vous, ça moins ça donne 0. Donc ce qui reste, c'est ça avec ça, avec ça, c'est ce que j'avais au départ. Donc ça ne devrait pas changer le résultat. OK, alors ça avec ça et avec ça me permet d'avoir cette forme-là. J'ai donc x moins 11 douzième, parce que le b c'est moins 11 douzième, au carré, moins ceci. Moins 121 sur 144, qui est ici. Et une demi sur 144, j'ai mis sous mon dénominateur, ça donne 72. Donc, 6 fois, ça reste pareil. Les autres, je les ai mis ensemble. Moins 121 plus 72, ça fait moins 49 sur 144. Et là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore le 6. Ça reste pareil. Et 49 sur 144, c'est la même chose que 7 sur 12 au carré. 7 au carré, 49. 12 au carré, 144. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, j'ai ici un nombre au carré moins un nombre au carré. Et je vais vous montrer tantôt c'est quoi la propriété de ça qui est très intéressante en mathématiques. On appelle ça la différence de carré. Alors, je vais vous donner tout de suite ici une petite pause. Je vais revenir à ça après. J'ai ici ce que j'appelle la différence d'un carré. Alors, qu'est-ce que ça fait la différence de carré? La différence de carré, c'est quand vous avez un nombre, okay, qui est au carré moins un autre nombre qui est au carré. Ça, c'est la différence de carré. Donc, géométriquement parlant, c'est comme si vous aviez un grand carré de A par A, A par A, et vous lui aviez enlevé un petit carré de B par B.
et que vous vous intéressez à ce qui reste en assuré. Alors, ce qui vous reste en assuré, c'était l'aire au complet, donc A2, moins l'aire du petit carré qui est B2. Donc, A2 moins B2, c'est la partie assurée. Bon, mais la partie assurée ne donne pas un rectangle. Et quand on factorise, c'est comme si on rendait la figure comme un rectangle, parce que la formule de l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. C'est donc deux nombres qui se multiplient. C'est ça la factorisation, trouver deux nombres, entre autres, qui se multiplient. Donc, ce que je veux faire ici, voyez-vous, la petite ligne, j'ai coupé ici et j'ai pris ce morceau-là, je l'ai reviré de bord, je l'ai tourné comme ça et je suis allé le mettre ici. Donc, voyez-vous ça ici, je suis allé le mettre comme ça. Alors, je l'ai dessiné ici. Ça ici, c'était cette partie-là ici que j'ai agrandi. Alors, ça ici, c'est ça ici. Et ça ici, c'est ça ici que j'ai reviré de bord, c'est-à-dire que ça, c'est ici. Voyez-vous? Puis ça, c'est ici. Donc, j'ai un rectangle, mais quelles sont les dimensions de ce rectangle-là? Ben ça, ici, c'est ce qui est ici, c'est ce qui est là. Ça reste A. Cette partie-là, ici, c'est quoi? Ben comme je vous ai dit, ça ici, c'est ce rectangle-là que j'ai reviré. Donc, cette partie-là, c'est cette partie-là ici. Mais ça vaut ça parce que c'était le carré B par B. Donc ça vaut B. Donc le rectangle vaut A plus B. Et la hauteur, ça vaut quoi? Mais la hauteur, c'est ça ici. Donc là, c'est la partie ici que je mets debout. Et vous, ce rectangle-là, je vous répète que c'est ce rectangle-là. Ça ici, c'est ça. Donc ça ici, c'est ça ici. Mais ça vaut quoi? Ben, ça vaut le A que j'avais au complet, mais j'ai coupé ici, puis ça vaut B. Donc si ça vaut A et ça vaut B, ce qui reste, c'est A moins B. Donc ça ici, ça vaut A moins B. Nous avons donc un rectangle qui vaut A plus B par A moins B. Et on sait que ça, c'est la même quantité de parties assurées qu'ici. Et ça valait quoi? A2 moins B2. Donc, on sait que A plus B fois A moins B donne A2 moins B2. Ou si vous préférez, A2 moins B2 vaut A plus B fois A moins B. Et pour ceux qui ont des doutes, mais si je fais ça fois ça, le A fois A, A2, A fois moins B, ça donne moins AB, B fois A, AB, et B fois B, B2, voyez-vous? Donc, je me trouve à avoir plus AB moins AB, ça se simplifie, il reste A2 moins B2. Et ça, c'est très pratique parce que, imaginez des exemples, vous avez à multiplier mentalement 46 fois 54. Dans le fond, 46, c'est comme 50 moins 4. Et 54, c'est comme 50 plus 4. Donc, ce que vous avez à faire à multiplier, au lieu de faire 46 fois 54, vous allez faire ceci. Et ça, c'est la forme A2, c'est-à-dire A plus B et A moins B. Vous avez la forme A moins B et la forme A plus B. Et on va le transformer selon la forme A2 moins B2. Le A, c'est quoi? Le A ici, c'est 50. Voyez-vous? C'est de cette forme-là, si on veut. Et puis, le B, dans le fond, c'est comme si c'était le 4. OK. Alors, c'est de la même forme que ceci. De la même forme que cela. Tu sais, je pointe là, mais je suis en train de lire à l'envers, se mélangeant. Là. Donc, ça, c'est la même forme que ça. Ça, c'est la même forme que ça, pardon. Donc, le A, c'est 50 et le B, c'est le 4. Pardon. Donc, ce qu'on va faire, c'est A2 moins B2. Si le A vaut 50, ben A2 vaut 50 au carré et le B au carré, le B, c'est le 4. 4 au carré, ça vaut 16. 50 au carré, 2500, moins 16, 2484. Je vais faire l'autre exemple. 73 fois 67. C'est comme 70 plus 3 fois 70 moins 3. Nous avons la forme A plus B et A moins B. Le A vaut donc 70, le B vaut donc 3. Donc, au lieu de faire ça fois ça mentalement, je fais A2 moins B2, ça veut dire 70 au carré. Moins 3 carré, donc 4900, moins 9,
Ça donne 4900 moins 9, 4891. Voyez-vous? Donc, à chaque fois que vous allez avoir la forme A2 moins B2, ça vaut ceci. Ça vaut A plus B et A moins B. Ça, c'est très important. Je reviens donc à ce qu'on avait. C'est exactement ça qu'on a ici. J'ai quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Donc, je peux factoriser en disant que c'est ceci à l'intérieur de la parenthèse. Donc, c'est x moins 11 douzième moins celui-là, qui est 7 douzième, fois x moins 11 douzième plus ce qui est là. A moins b et a plus b. Le a, il est toujours ici, comme ça. Et le B, il est ici, avec un moins puis un plus. J'aurais pu mettre le plus ici puis le moins là, ça n'aurait rien changé. C'est la même chose. Bon, j'ai toujours mon 6 devant la parenthèse. Moins 11 sur 12, moins 7 sur 12, ça fait moins 18 sur 12. Moins 18 sur 12. Et puis ici, moins 11 plus 7, les 2 sur 12, ça fait moins 4 sur 12. Je vais simplifier les deux fractions. Alors, 8 sur 12, ça fait moins 3 demi. Et 4 sur 12, ça fait un tiers. OK. Donc ici, j'ai x moins 3 demi fois x moins un tiers. Puis j'ai le 6 devant. Dernière étape, le 6, je le décompose en 2 fois 3. Je vais donc faire 2 fois ceci fois 3 fois ceci. 2 fois ça fois 3 fois ça, c'est la même chose que 2 fois 3, 6 fois ça fois ça. Donc, 2 fois ceci, 2 fois x moins 3 demi, ça fait 2 fois x, 2x. 2 fois moins 3 demi, ça fait moins 3. Et ensuite, 3 fois x moins 1 tiers, 3 fois x, 3x. Et 3 fois moins 1 tiers, ça fait moins 1. J'ai factorisé parce que j'ai un nombre ici qui factorise un autre nombre. La réponse est 2x moins 3, facteur de 3x moins 1. La preuve, 2x fois 3x. Ça fait bien 6x2, c'est ce que j'avais ici. 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. Et moins 3 fois 3x, ça fait moins 9x. Moins 2x moins 3x, ça fait moins 11x. Et ensuite, moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Plus 3 ici. Bref, tout ça pour dire quoi? C'est qu'en mathématiques, une des subtilités est de rajouter des fois une quantité pour pouvoir opérer résoudre des énigmes du type mégot de cigarette et de corriger à la fin en enlevant ce qu'on avait rajouté de trop. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces petites subtilités-là.